Bonjour, vous faites bien de nous regarder sur Nirango TV dans l'émission Léo Tiena. Et là, dans cette émission, nous recevons des artistes qui font mieux dans notre ville de Goma. Et aujourd'hui, à découvrir qui est le star du jour, qui est l'artiste du jour. C'est un garçon pas comme les autres. C'est un gars qui fait des hip songs. Et simple d'aller, regardez ça. Et quant à moi, je vous retrouve. Parlez-nous de toi, qui est Keiji, où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il fait de genre de musique, bon voilà, des trucs pareils. Keiji c'est un artiste, compositeur, musicien, il évolue ici à Goma, quartier Majengo. Il est aussi le quatrième de sa famille. Ouais. Keiji il est né d'un père guitariste basse, guitare basse, et d'une mère qui chantait à l'église, voilà c'est ça Keiji le monde. Voilà. Venez d'écouter qui est Keiji le monde. Voilà, au même pas de la virgule. Et quant à nous, on vous retrouve juste. Keiji le monde, B2B combien, c'est ta nouvelle chanson. Tu l'as fait avec un artiste aussi de la place. Mais parlons même pas de toi. Est-ce que tu as une relation amoureuse? Relation amoureuse, ce sont les choses que je ne vais pas souvent exposer, mais on peut y être. Ah, voilà. Je ne vais pas trop entrer dans ce sujet-là. Bon, je préfère que tu nous et que tu dises à notre chef, tel chef de spectateurs qui te voit en ce moment. Dis-nous comment tu parviens à faire des grandes choses comme ça. Pour faire des grandes choses, c'est une question de détermination et de courage. Parce que souvent les gens m'appellent courageux suite à tous les efforts que je fournis toujours dans ma carrière professionnelle. En fait, c'est la détermination et le courage, mais aussi la prière qui pousse à ce qu'on puisse mieux faire les choses petit à petit. Voilà. Maintenant, tu as combien de titres aujourd'hui? Actuellement, nous sommes à, disons, 10 titres. Plus 10 titres, parce qu'il y a aussi 3 titres qui ne sont pas encore lancés. Quand je mélange, déjà ça fait 10 titres. Ah, 10 titres. Donc, il y a déjà 3 titres que nos téléspectateurs doivent s'attendre à ça. Vraiment, attendez-vous à des belles chansons, des belles vidéos aussi. En tout cas, quasi comme vous faites ça. Voilà, et si un jour était quelque part, on a joué la chanson qu'on appelait. Voilà, je vais remettre la chanson Wedada. Arapanaka. Arapanaka, voilà. Est-ce que tu peux chanter cette chanson-là, le premier couplet de la chanson? Yes. Voilà. Oui, dada, anapanaka. Okimomba palepale, anakupa. Kuyeye, akuna obishi. Anapenda kutok na wajeshi. Ajali na mamba kukawa kulala inje ni kama kawa. Voilà, merci beaucoup, Keiji le monde. Alors, anapanaka. Dis-nous, comment uliwazaka kufanya une chanson ou dada anapanaka? C'était parmi les idées de faire une chanson qui parle concernant la société. Et moi j'ai vu dans la société, il y a beaucoup de meufs hein, qui ne manquent rien, mais on a préféré que vous respectez Mouliya en fait. Donc qu'on a un dadabaïvi à venir essayer de le pourquoi Mouli Marit, mes amis, au moins de faire quelque chose à la banane.
Voilà, la chanson sera remixée aussi à très bientôt parce que c'est Vadada Bangali qui va reprendre. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas tout là. Voilà, donc tous les chers téléspectateurs, allez d'abord vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que la chaîne YouTube de l'artiste Keiji Le Monde. Keiji, alors dis-nous, où est-ce qu'il trouve l'inspiration de ta musique? L'inspiration, c'est partout, même ici on peut trouver l'inspiration. En tout cas, l'inspiration vient des gars, des dieux. En tout cas, parfois, même en marchant, on a l'inspiration. Même en train de manger, en train de causer comme ça. L'inspiration peut arriver, donc ça nous vient seulement pour ça. Voilà, Keiji, quand tu fais des shoots vidéo, quand tu fais des tournages, alors qui est souvent votre réalisateur, qui fait tes chansons, la vidéo? Oui, actuellement je suis en collaboration avec Matic Pichas. Voilà. Je travaille avec quelqu'un de là, mais aussi avec toute l'équipe. Je profite déjà de saluer mon réalisateur Escalide, Big Deal, Goma to the World. C'est bien lui qui essaye de donner toute sa force. Mais aussi, j'ai dit merci à Mambote parce que c'est bien lui qui nous fait des matos. J'ai dit déjà merci à toute l'équipe. C'est grâce à eux qu'on continue de faire mieux petit à petit. Voilà, qui est votre manager? Parce que tu ne dois pas manquer ce manager. Donc, qui est derrière toi? Quel est cet agenda caché? Il y en a beaucoup vraiment. Même vous faites partie de nos managers. Il y a manager principal. Hein. Voilà. Disons manager principal, l'homme avec qui on peut. Les gens qui nous regardent et peuvent causer concernant les projets, c'est Shamquiz. Il est là. Je vais donner aussi son numéro après. Il est cool. Mais Bakwa Mouiti, en tout cas, c'est toujours parce qu'il y a les gens qui les appellent pour embrayer seulement. Mais manager, c'est Shamquiz. Mais je continue à inviter tous les gens qui ont envie de nous soutenir, en tout cas dans des différentes manières. Disons aussi merci à Bakoura parce qu'il lui aussi a soutenu ma design. Ah, grâce au Bakoura. Hein? Merci au Bakoura, le designer. Voilà. L'émission aussi Niragongo, voilà. C'est parmi ma partenaire et bien. Non, déjà, tu as soutenu, tu as invité qui là haut et moi, nous avons envie de soutenir, pourquoi paternel. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Nous avons assez envie. Voilà, merci beaucoup, très chers spectateurs, de rester toujours avec nous. Lui, c'est l'artiste de Keiji Le Monde qui est avec nous cet après-midi. Alors, Keiji, dis-nous, tu aimes quel genre de sport? Pour le sport, en tout cas, j'aime souvent courir. Les marathons. Voilà. D'ailleurs, demain, encore matin. Voilà, merci beaucoup, Keiji. Notre chers téléspectateurs, cette émission est sponsorisée par la maison des familles Net Media, ainsi que l'honorable Adel Bazizan, ainsi que Olivier Kakoti. Merci toujours d'être avec nous. Maintenant, Keiji Le Monde, dis-nous, parle-nous de votre nouvelle chanson, B2B Kobien. Tu l'as fait avec quel artiste et qu'est-ce qui t'a poussé de travailler avec lui? B2B Kobien, Maïcha Igo, la chanson. On l'a fait avec un artiste que moi je respecte beaucoup, Nathan Scotto, Nejokila. J'ai dit déjà salut à Nathan Scotto, Kuba Tufata déjà. Merci aussi pour la collaboration. Tout le fait à Nathan Scotto, B2B Kobien. Je profite aussi de signaler que dans la semaine prochaine, déjà tout à fait tournage. Donc attendez-vous à de belles choses. Tout qu'on a du poumoné grâce à elle. Restez toujours branchés, connectés. Voilà, quand tu veux faire un featuring avec un artiste, exemple comme Willow Miller. Est-ce que tu as déjà vu faire une chanson avec Willow Miller? Oui, Willow, on a réussi à faire une chanson, sauf que c'est pas encore sorti. Ah donc c'est parmi les trois chansons là que voilà, tu nous parles. Parmi les chansons, ça fera donc 5 parce qu'il y a aussi des projets que j'ai chez Aga et Kelvin. VKYM, on va faire une chanson. C'est bien lui mon producteur en audio. Et Kelvin aussi, il y a aussi. Quand je mets les tout, ça fait max single de 5 chansons qui arrivent cette année toujours. Voilà. Donc, notre cher téléspectateur, attendez-vous à des belles choses parce que l'artiste est bien courageux, l'artiste se chauffe déjà à vous donner le meilleur de lui-même. Alors, Keiji, dis-nous, s'il y a un artiste qui veut faire un featuring avec toi, exemple de Newcom, les garçons qui viennent directement dans la musique et qui viennent travailler avec vous, parce que ça fait énormément de temps que tu es dans la musique.
Ça fait plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans, vous avez déjà l'expérience, vous maîtrisez la gamme. Et je profite de cette occasion de vous informer que parmi les top 10 de la ville de Goma, il est le 4e parce qu'il travaille dur, il fait des hit songs. Allez maintenant vous abonner à sa chaîne YouTube. Alors, quelle est votre chaîne YouTube? Les noms? On écrit seulement Keiji Le Monde directement. Instagram, Twitter. Alors. Instagram, on écrit Keiji Le Monde officiel. Facebook et ma page, c'est KeijiLeMonde.com. Voilà, allez vous abonner à cette chaîne-là qui est l'article qui vient de vous donner. Merci aussi de, oui, d'être avec nous, Keiji. Merci. Je voulais aussi préciser concernant la question-là. Ouais. Pour les gens qui veulent faire avec moi, en tout cas, si c'est concernant, si ça concerne un boulot, ouais, en tout cas, bienvenue, vous êtes les bienvenus, on va bien travailler. Mais une question à vous raisonner maintenant, comment respecter le boulot déjà? Ouais. Et toujours, mais l'amour à ma courage, non, on va faire une chanson avec Keiji, non. Il faut vous raisonner comment on va faire les choses, comment on va motiver l'équipe aussi. Donc, et toi aussi, quand tu allais faire un featuring avec Willow, avec Chaco. Chaco, oui, oui, Chaco. Ah oui, parle-nous de la Bito Abiendek. La chanson Bito Abiendek, d'ailleurs, voilà. Le troisième spectacle, vous écoutez d'abord la chanson Bito Abiendek de l'article qui est dit avec Chaco. Et quand tu as mal, tu le trouves juste après ça. Madame. Usima si kwa liko for Noni meswa tosyo nefo Nimegusa iki kile meniso Hivi nimegusa sarasios Unajua hali Kasikaza moyo Univumilie Niko peke yangu. Yeah. Master Bishako Na Keiji Le Monde za kweli musike Kariago Fonos Siem, siem, siem. Bishka music. Mama batoto, bitwa bieneki. Niko natafutisha, bitwa bieneki. Usizani nazara, bitwa bieneki. Na mie siko nalala, bitwa bieneki. Niko natafutisha, bitwa bieneki. Usizani siku sikia, bitwa bieneki. Mina jua ulichose, bitwa bieneki. Okay, usiku misila, bitwa bieneki, yeah. Niko natafutisha, bitwa bieneki. Kula inakuwa magumu, kunywa inakuwa magumu, kutembea inakuwa magumu. Hey, makuta haiko napatikana, kazi nazo balisha zifunga. Balisha funga na makanisa, baka funga paka na mabare. Krize iku paka kumapasta, unasema nikupe makuta. Aseme nywele njo utasuka. Yeah, niko nakosa ataza kula, nakachupa kapombe hakuna. Mie kwanza ni mupiga ndule, na balisha kafunga mabare. Hey, hivi makuta ndatosha wapi, unataka nishike bunduki. Bani kamate bani lunguzi. Yeah, bafanya kazi biko nalia. Bana siasa biko nalia. Inchi za ulaya ziko nalia. Amerika iko nalia. Hivi makuta ndatosha wapi, samani basi fumilia. Iki kipindi sikitapita, na maisha itaendelea. Ama batoto, bitwa bieneki. Niko natafutisha, bitwa bieneki. Usizani nazara, bitwa bieneki. Niko na lala, bitwa bieneki. Niko na tafutisha, bitwa bieneki. Usizani sikusikia, bitwa bieneki. Mina jua ulichose, bitwa bieneki. Usiku misila, bitwa bieneki. Niko na tafutisha, bitwa bieneki. Yeah, madame, isi masiku aliko for. J'ai rêvé aussi Nathan Scotto, pourquoi pas les autres, et à très bientôt là, on va essayer de voir comment faire les choses. Voilà, est-ce que tu peux, tiens, alors dis-nous, quel est votre projet en 2022? Qu'est-ce que tu préfères faire en 2023 ou 2022 à la fin? Est-ce que tu vas chanter avec un artiste de l'étranger ou tu vas toujours rester ici à Goma? Oui, en tout cas cette année, moi je suis en train de voir les choses, en tout cas, les choses et les problèmes arrivent. Il y a aussi une chose que je voulais souligner, comme j'ai déjà fait avec Master Bishako, Nathan Scotto, Willow Mila, il me reste qu'un artiste que, en tout cas, je vais dévoiler très bientôt dans la prochaine émission, avec qui je peux faire encore des collaborations ici à Goma. Mais actuellement, je suis en train de viser Rwanda, je vise aussi Ouganda. En tout cas, cette année,
on peut avoir une collaboration avec quelqu'un de l'autre côté. Voilà, attendez-vous à de belles choses. Donc l'artiste va prendre un voyage vers le Rwanda, vers l'Ouganda pour la collaboration. C'est pas facile hein, et ce n'est pas n'importe quel artiste qui fait de telles collaborations. Mais lui, il vient de nous confirmer que bientôt il ira au Rwanda pour faire avec ses gens, avec qui Mehdi ou Zeben. C'est parmi les gens de ce niveau toujours. Ah voilà. Je vais dévoiler à très bientôt quand les choses. Attendez-vous une collaboration avec KG Le Monde Fitch, Mehdi, pourquoi pas Fitch, Zeben, pourquoi pas Eddy Kenzo de l'Ouganda. Ouais, merci ouais. Aussi, voilà, KG, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot à notre chef téléspectateur qui nous regarde? Je dis déjà grand merci à vous qui avez été scotchés à l'émission. Merci à vous tous qui continuez toujours à nous soutenir, à nous encourager aussi. Je dis déjà en tout cas merci et continuez toujours vraiment parce que Kazi Kongo Ninjo réseau et tout pour sema tout faire musique Ninjo en fait moi à la base Ninjo motivation et tout. Soyez toujours là avec nous, continuez toujours à nous soutenir de différentes manières. Merci beaucoup à vous et je vous respecte beaucoup. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. La chanson qui est à la ligne de l'artiste, c'est la chanson B2B Kobion. Et la chanson est vraiment partout, sur toutes les plateformes de téléchargement, sur Spotify, sur YouTube, sur Boomplay. Alors, allez télécharger la chanson, profitez vraiment de la bonne musique parce que l'artiste se donne le meilleur de lui-même pour vous satisfaire. Et quant à nous, on vous retrouve à bientôt. Merci aussi à notre réalisateur Marcus qui est derrière les caméras. Merci, merci, merci. Big salut, à la prochaine.